Piquer du nez au moment du coucher, bâiller toute la journée, c'est peut-être le signe d'une maladie du sommeil. Une personne sur deux en souffre. Au-delà de l'inconfort en journée, il y a de réels risques, des risques cardiovasculaires, mais aussi des risques routiers en cas d'endormissement. Reportage au sein de la clinique du sommeil de Haguenau, David Meneux, Philippe Dezante. De quoi souffre Diliane? Une maladie ou une mauvaise qualité du sommeil? Pour l'instant, elle en est aux investigations. Depuis toute petite, cette jeune fille ressent une grande fatigue chaque jour. Je me dis que j'ai que 20 ans, donc effectivement, c'est pour ça que maintenant je me prends du temps pour faire des tests, pour que ça s'arrête et que je puisse reprendre, entre guillemets, une vie comme tous les jeunes de 20 ans, sans avoir ce problème-là. Bonjour, vous avez bien dormi? Oui, super. J'ai vu qu'à la sieste de 9h, quand je suis venu, vous étiez en train de bien dormir. Donc on verra pour les autres siestes à 11h, 13h. Et 15 heures. Sommeil analysé sur graphique, les sons et les mouvements sont enregistrés. Chaque année, près de 1500 patients passent au centre du sommeil de Haguenau. Apnée, hypersomnolence, des troubles qui peuvent engendrer de graves pathologies. Il y a réellement des risques cardiovasculaires, avec des risques d'infarctus, des risques d'accidents vasculaires cérébraux, des risques d'obésité et des risques de dépression, d'irritabilité la journée. Donc vraiment, il y a des réelles conséquences sur le côté médical. Le stress augmente les insomnies, les apnées du sommeil touchent 5% de la population et en général, les troubles augmentent avec l'âge. Je remarquais que le matin, donc j'étais un peu oppressé de la poitrine comme ça, comme si j'avais une barre là qui était de travers. Et quand je me mettais à respirer correctement, donc ça partait. Les troubles du sommeil et leurs conséquences au volant. Petit atelier de la prévention routière pour rappeler les fondamentaux. On dit que rester en éveil pendant 15 heures correspond à peu près à 0,5 g d'alcool dans le sang. Et quand on fait 24 heures sans sommeil, ça correspond à 1 g d'alcool dans le sang. La somnolence est le troisième facteur d'accident sur la route après l'alcool et la vitesse.